Alors, bonsoir, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois. Ma sœur Hélène, c'est quoi ça? En fait, c'est une association qui a été... Vous êtes nombreux. Ça va aller. C'est une association qui a vu le jour à Lyon en 2017. L'association that was born qui s'appelle l'association L'Abri du Très-Haut. Called L'Abri du Très-Haut. Nous avons pour mission pour le moment de... nourrir les sans-abri par des maraudes exclusivement pour le moment, puisque nous n'avons pas encore de local. Nous avons, on s'occupe de plus de 600 migrants. Plus de 600 migrants. More than 600 migrants. Et autant dire que tout ce qu'on fait pour le moment, c'est vraiment une goutte d'eau. Attends, deux secondes. Vous le faites dans quelle ville en France? What city are you doing this? À Lyon. In Lyon. 600 migrants. 600 migrants. Des jeunes de 15 à 21 ans. Youth from 15 to 21 years old. On a découvert ces jeunes au cours d'une promenade. We found them while we were walking. Ça a été dramatique parce qu'il y avait énormément de grandes associations qui s'occupaient d'eux et qui ont débloqué des fonds, et lorsqu'ils ont eu leurs fonds, ils sont partis. The big association used to take care of them before. When they got the big funds, they got away. Ce sont des jeunes qui sont aussi en danger parce que il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui viennent les chercher pour la prostitution. These youths are also in danger because a lot of people want to use them for prostitution. Ils ont eu du mal à se confier à nous, mais so they had a hard time trusting tout doucement us. Ils se sont parvenus. But eventually they did. Autrement, on va dans les rues tous les 15 jours les samedis. Et tous les mercredis, des maraudes sont faites auprès des migrants et des populations. Ok. Voilà. Et pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut, à part la prière? What do we do to help besides prayer? Il y a un site. Website. AADTH.org. www.aadth.org. AADTH.org. D-T. Association à l'abri du Très-Haut. À l'abri du Très-Haut. Donc, de toute façon, il y aura toutes les informations. All this information will be online. Balancer tout ça sur TV de vie, tous ces extraits-là, avec des informations comme ça. All this information will be online. Voilà. Oui. Voilà. Et on intervient aussi dans les maisons de retraite. We also go to retirement homes. Dans les rues aussi, nos maraudes, on les fait souvent en chantant et en priant. We on sing, a beaucoup pray. De témoignages de personnes qui sont touchées. Touchées. Voilà. Gloire au Seigneur. Et toi-même, tu es infirmière aussi, hein, et tu arrives à... You're a nurse. Moi, je suis infirmière. Je suis très impliquée aussi pour apporter du matériel médical. I'm a nurse and I bring medical supplies. Par le pays de l'association pour l'Afrique. Through the association to help. Les médicaments et puis voilà. Medicine and. Et nous avons deux jeunes filles qui viennent de France, Canada, États-Unis aujourd'hui, et qu'il y en a une qui veut créer des vaccins. Je crois que ça doit l'encourager. Hein? Donc, Amig, que le Seigneur soit béni. Donc, vous voyez, c'est magnifique tout ça là. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci. Donc, thank on you. Va se voir. Alléluia, gloire au Seigneur.